OK. Aujourd'hui, il est question de travailler sur le module inscription qui est vraiment notre module phare. Qui ici est le module qui concerne vraiment le travail pour lequel nous sommes en train de faire, qui s'est transformé en formation. Par de cela, nous avons commencé avec la fiche d'inscription. La fiche d'inscription ici est constituée de la liste des élèves la liste des élèves non inscrits, quelle que soit l'école, et la liste des pensions de cette école. Et vous savez ce qui suit. La division, par exemple, on dit sixième. On aura les pensions de sixième, de terminale, et on peut se retrouver en train de. On a la sixième une, ou sixième A, sixième B, sixième C. Oui, c'est ça la division. Le montant à payer, en principe, le montant à payer, non, on va plutôt mettre le montant reçu. Montant reçu, pas montant payé. Montant reçu, excusez-moi, c'est plutôt montant reçu. Voilà. Donc, il entre le montant qu'il a reçu pour, par exemple, la première tranche peut être 100 000. Ça, c'est un exemple, hein? Et lui, il vient, par exemple, avancer 60 000. Je pouvais aussi mettre avance. Je pouvais aussi mettre avance. C'est toujours la même chose. Maintenant, lui peut venir donc donner tous les 100 000. Ça veut dire qu'il reste à payer ses zéros. Et s'il reste à payer ses zéros, alors là, pension soldée, on est vrai pour la tranche. Donc, par tranche, il y aura les lits. Par tranche, il y aura les lits. Donc, pour une année scolaire, par exemple, pour une année scolaire, donc, nous aurons une double rupture. On aura une année scolaire de deux, la rupture au niveau des classes de trois, on regroupe par élève. Donc, du genre, si on dit année scolaire, ou année scolaire peut être. Le paramètre, on dit première rupture, c'est la classe. Je sais de telle, enfin, de la sixième, j'ai mes élèves regroupés. Tranche 1. Si je dis par exemple Toto, Toto, tranche 1, tranche 2, tranche 3. Donc, ce sera groupé par élève. Et ce sera plus facile donc de connaître si un élève a déjà réglé la tranche en quelque sorte. Et cette plateforme peut aussi servir dans des établissements publics.
Là-bas, il n'y a pas de tranche. Ça va directement aller une seule fois. Donc, voilà un peu ce que nous avons fait. Et vous avez vu ce bouton qui nous a permis de lister tous les élèves non inscrits dans et aussi de lister tous les pas toutes les tranches des pensions. Ce qui reste peut-être à faire, c'est d'appeler ma zone de rupture. Où je dis pour tout clore, je dis rupture indice. Voilà. En haut, je ferme. Ça signifie que je dis donc table et je mets ça. Voilà. Point le libellé. Point le libellé. Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, aïe, voilà. Égal à ATT classe. Voilà. Là, cette ligne me permet maintenant d'afficher mes ruptures. Voilà donc ce qu'il fallait faire. C'est cette partie qui est la plus délicate. Nous allons la peaufiner de mieux en mieux. Donc, je suppose que vous n'avez pas de questions. Si oui, vous pouvez lever la main. Sinon, nous allons clôturer cette séance. Et je vous invite à refaire tout ce que nous avons fait depuis ce matin afin d'être, comment dirais-je, prêt. Il ne suffit pas de s'asseoir, de travailler, enfin, de suivre. Et après, vous êtes sûr que je vais vous donner le projet. Oui, vous aurez le projet de formation. Mais si vous avez ce projet de formation sans comprendre ces mécanismes-là, cette technique pour développer 10 fois plus vite, vous aurez beaucoup de soucis. De ce fait, je vous dis bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao.